Académie 18, c'est 49 exposants, 45 galeries venues d'Europe, d'Afrique, de France, de partout. 137 artistes du monde entier qui revendiquent un lien à l'Afrique, qui ont une histoire à raconter par rapport à l'Afrique. C'est 15 000 visiteurs qui sont curieux de découvrir ces scènes contemporaines. Alors depuis le départ, effectivement, ACA a été ouverte sur le monde. Le critère de géographie n'en est pas un pour nous, car nous allons chercher les artistes qui ont une histoire à raconter, qui ont un lien à revendiquer par rapport à ce continent. C'est rituel pour moi, c'est mon lien à l'Afrique. C'est le lien à la terre, mais c'est aussi le lien aux traditions ancestrales de toute l'humanité, partagé par toute l'humanité, le fait de se maquiller, d'avoir des parures pour des cérémonies, le fait de mettre en scène des situations pour pouvoir accéder à une connaissance ou à des rites initiatiques. Dans de l'art classique ancien avec de l'art contemporain, les œuvres de Kendall Gears. L'idée est de démontrer que le génie africain qui existe depuis des siècles et des siècles ne s'est jamais interrompu et que le génie africain continue et continuera toujours par le biais de l'art contemporain. Et finalement, l'idée est de redessiner une carte de l'art contemporain, d'y mettre au lieu de l'Europe et des États-Unis au centre l'Afrique, et de ce centre de voir tous les regards croisés qui se font entre l'Afrique et le monde. Je suis né en milieu Bambara, donc c'est un milieu qui ils ont une philosophie des symboles et des paroles en parabole qui est des proverbes Bambara. Tous les symboles que j'utilise ont un sens dans mes travaux. J'utilise les points comme des questionnements. Je pense que les questionnements sont la base au moins de l'évolution de l'être humain. Par exemple, qui sont à l'origine de nous? D'où venons-nous? Et au retour, on va aller où? Et le reste des symboles qui sont des trompettes, les trompettes pour moi c'est des instruments de communication. Dans mes logiques, j'ai compris qu'il y a une autre forme de communication traditionnelle qui a plus de poids chez nous que les canaux modernes, qui sont les écrits, les journaux, les quoi, l'oralité. Je pense que dans les années à venir, on ne parlera même plus d'art d'Afrique parce qu'en fait, ces artistes, ils ne sont pas africains avant tout, ils sont contemporains, ils sont artistes. Et nous, notre but, c'est qu'ils intègrent ce marché de l'art international sans qu'on ait une étiquette géographique à mettre sur leur nom. Il faut absolument que l'art contemporain dit africain prenne des lettres de noblesse. C'est un marché qui je pense, bénéficie surtout aussi de ce côté encore assez vierge, de découverte. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait absolument à ce que des choses concrètes se fassent. Mais on est en train d'y arriver, puisque je sens quand même une curiosité vraiment très 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 forte de la part des amateurs, d'où le public nombreux qui vient depuis 4 jours. Il fallait définir ACA en 3 mots, je dirais diversité, pluriel et chaleur.